sièges endommagés, vitres cassées, feux rouges complètement défoncés. C'est l'état actuel de certains bus de la Sotraco empruntés par les élèves et les étudiants à Bobo-Dioulasso pour se rendre à l'école ou sur le campus. Une triste réalité déplorée par les étudiants qui réclament de meilleures conditions de transport pour assister aux cours. Comme aujourd'hui, il n'y a même pas eu de bus pour les étudiants. Donc on a essayé de bloquer tous les bus là pour qu'aucun bus ne démarre. Ils disent qu'il n'y a pas assez de bus. Or, il y a des bus qui sont là pour des missions, pour des sorties. Comment on peut comprendre ça? Nous, nous ne sommes pas arrivés à l'école. Vous prenez les bus pour des sorties. Nous, nous sommes là tous les mois. Or, les particuliers, ce sont des jours, ils viennent, ils louent le bus pour certaines missions seulement. Donc, on les favorise plus que nous. Or, nous, c'est nous leurs clients. Et il faut dire que, même jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, il avait été dit que les bus allaient être réfectionnés. Et jusqu'à présent, on constate que rien n'est fait au niveau de la Sotraco. Rien n'est fait au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour Ferdinand Yamirgo et ses camarades, l'état actuel des bus à Bobo-Dioulasso représente non seulement une menace pour leur réussite scolaire et universitaire, mais aussi une menace directe pour leur vie. Les étudiants sont accrochés au bus. Ils risquent sa vie pour aller étudier. Il y a des bus même, le moteur se lâche en route. Comment tu veux, tu vas quitter la maison à 4 heures et arriver à l'école à 8 heures, 4 heures en route, 9 heures même parfois. Comment tu peux étudier comme ça? Et puis, ce n'est pas comme si tout le monde est assis. Les gens s'accrochent pour arriver à Nasso. Voilà, vous voyez notre calvaire. Vous voyez notre calvaire. C'est la réalité. Vous voyez la réalité comme ça. Toutes ces difficultés sont bien connues de la direction régionale de la Sotraco. Le directeur régional Luc Mano affirme ne pas pouvoir donner de réponse immédiate aux étudiants pour le moment. Il faut se dire que le bus a une charge nominale de 100 personnes. Or, dans les conditions d'exploitation actuelles, un bus peut compter 120 à 130 personnes, ce qui est déjà hors des normes. Nous avons été interpellés par la police pour ces surcharges. Mais véritablement, il faut que les gens comprennent, ça nous dépasse. Parce que la demande dépasse l'offre de très loin. Toutefois, le directeur régional de la Sotraco promet de transmettre le message des manifestants acquis de droit. Je loue leur patience. Depuis un an, nous n'avons pas honnêtement pu augmenter la qualité de la prestation. Mais ils sont restés avec nous. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un ras-le-bol. Je le comprends bien, mais encore une fois, je n'ai pas une réponse à la question aujourd'hui. Mais je rends compte à qui de droit. Les manifestants réclament également la multiplication des guichets d'abonnement pour éviter les longues files d'attente et les pertes de temps. Si aucune mesure n'est prise après ce mouvement d'humeur, d'autres manifestations de grande envergure pourraient avoir lieu dans les semaines à venir, préviennent les étudiants.